Bonjour à toutes et à tous et merci d'être aussi nombreux et nombreuses pour cette deuxième étape du tour de la biométhanisation. Donc je me présente, je m'appelle Aurélien Bardelin, je suis chargé de projet en biométhanisation et en durabilité chez Valbiom. Donc lors de cette deuxième étape du tour, nous allons donc visiter l'installation de Tenville. Cette installation donc, qui fonctionne en fraction fermenticide des ordures ménagères, en voie sèche, mais on aura l'occasion d'en discuter plus tard. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier donc, la région Wallonne qui permet à cet événement de pouvoir réaliser cet événement, et ainsi qu'aux différents sponsors de cet événement, donc, c'est-à-dire Coretech, Cogen Green, Econova, Elscolab, Inolab, Gaz.be et Walver. Donc, lors de cette première étape de cet événement, on va avoir donc, trois présentations différentes. Donc, la première qui sera ma présentation concernant le projet, le montage d'un projet de biométhanisation. Ensuite, une présentation de Kevin Fontaine, CSD, ingénieur, qui présentera les études d'incidence sur l'environnement. Et enfin, une présentation de Jean-François Paduard, du SPW, qui présentera les permis d'environnement des installations de biométhanisation. Et nous finirons avec une séance de questions-réponses, avant d'enchaîner sur une présentation de l'installation et une visite de celle-ci. Donc, cette présentation, elle a pour but de présenter dans les grandes lignes le développement d'un projet de biométhanisation. Ici, l'objectif n'est pas d'être complètement exhaustif, parce que je n'aurai pas le temps de l'être, il y a beaucoup trop à en dire, mais c'est de présenter un petit peu comment est-ce qu'on passe au départ d'une idée. Donc cette idée, ça peut être la vôtre, ça peut être celle de votre voisin, de votre voisine, peu importe. Ce qui va être important, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire de cette idée. Cette idée, pour qu'elle puisse aboutir à un projet de biométhanisation, il y a du chemin. Un chemin, donc, que je vais présenter ici, ça pourrait être par exemple celui qui serait emprunté par une commune ou une industrie qui ne serait pas spécialement dans le milieu de la biométhanisation ou dans le milieu des déchets organiques ou de l'agriculture. Une première étape pour pouvoir transformer cette idée serait par exemple une étude de préfaisabilité. Donc une étude de préfaisabilité, elle va avoir pour objectif de cadrer dans un premier temps cette première idée. Donc ça va être de pouvoir répondre à la question du porteur ou de la porteuse de projet, qui est de savoir vers quoi s'orienter. La biométhanisation, c'est merveilleux, on peut faire plein de choses, on peut valoriser plein de types de déchets, on peut avoir plein de types de valorisation énergétique différentes, des valorisations du DGSA, etc. Mais parmi toutes ces possibilités, potentiellement, il n'y en aura qu'une qui permettra d'aller vers un projet qui sera rentable économiquement, viable environnementalement et d'un point de vue social. La seconde étape serait, par exemple, les études de faisabilité, où ici, on viendrait préciser les différents chiffres qu'on aurait déjà étudiés au préalable, mais vers lesquels donc, on pourrait se diriger de manière un peu plus formelle, de manière plus précise dans notre projet. Et enfin, on aboutirait à la fin, si tout ça se passe bien, à un dépôt de permis, donc ici, dans un contexte où on est sur une étude d'une installation qui ne serait pas en classe 1, mais on y reviendra un petit peu plus tard, au cours de la deuxième présentation. Au final, lors de ces différentes études, aux différentes étapes du développement de cette idée, on va balayer différents sujets. Donc ça va être de la budgétisation, ça va être la question du terrain de l'installation, ça va être la question des mix d'intrants, donc savoir vraiment vers quoi est-ce qu'on va s'orienter sur type de matière, sur quelle puissance est-ce qu'on va installer, ce qui va impliquer aussi le dimensionnement de l'installation. Et enfin, la valorisation du DGSA, donc qui est intimement liée à tout ça. Et enfin, un sujet qu'on a déjà abordé donc, lors de la première étape, qui est évidemment la communication sur le projet. Une des premières étapes assez importantes lors d'un projet de biométhanisation, ça va être la question du financement du projet. En fonction du type de financeur du projet, on va orienter le projet d'une certaine façon. Il faut bien comprendre aussi que toutes les étapes que j'ai mentionnées juste avant coûtent de l'argent. Et donc l'intérêt pour un porteur de projet, c'est aussi de potentiellement s'arrêter si l'idée n'aboutit à rien. Donc les risques qu'on va devoir gérer pour la création du projet, ils commencent donc dès la première étape, la création de l'idée,
et vers le permis. Une fois qu'on aura le permis, les risques seront mieux gérés au niveau du permis, mais enfin au niveau de l'installation. Mais après, il y aura toute la partie gestion de l'installation. Mais disons qu'il y a quand même un risque important au moment du développement du projet, quand on passe de l'idée au permis, puisque beaucoup de choses peuvent changer, beaucoup de levées de boucliers peuvent arriver, et donc c'est important à prendre en compte. En fonction de qui va financer le projet, on va pouvoir mieux cibler ce qu'on va devoir étudier. Si on est sur un projet qui se place dans une commune où on va vouloir avoir, par exemple, un réseau de chaleur, ça peut être des choses qui vont être amenées donc, par les financeurs parce qu'ils y voient un intérêt. Et finalement, c'est les financeurs qui ont un plus grand pouvoir de décision aussi sur ce qui va se faire dans le projet. Concernant, par exemple, le réseau de chaleur, il y a d'autres choses qui vont impliquer la faisabilité de ce réseau. Donc, ça va être par exemple le choix du terrain. Si on est sur un terrain qui est juxtaposé à une installation agricole, eh bien évidemment, ça va être plus compliqué de pouvoir valoriser la chaleur qui serait produite sur cette installation. Et donc, potentiellement, ça va être compliqué d'avoir un réseau de chaleur. Donc, un des premiers problèmes qui peut arriver au niveau du choix du terrain, c'est d'avoir un terrain, de vouloir absolument construire son installation dessus, alors que finalement, il n'y a rien de très logique derrière tout ça. Potentiellement, il est mal placé par rapport aux habitations alentours. Il y a des vents dominants qui ne sont pas favorables au niveau olfactif pour les habitants de la région. On a des problèmes, par exemple, au niveau des caractéristiques géotechniques, au niveau de voirie, au niveau, comme je le disais, de l'emplacement pour ne pas avoir un réseau de chaleur, etc. Ensuite, il y a l'importance du choix des intrants. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, on peut faire globalement tout ce qu'on veut avec les biométhanisations. Tout est question de pouvoir évidemment respecter la législation en place et aussi de trouver une rentabilité économique et environnementale derrière. Ces différents intrants vont impacter différentes choses. Donc ça veut dire qu'on va avoir un dimensionnement de projet qui va être adapté au mix intrants. Donc si par exemple on va valoriser plutôt des effluents d'élevage, ça veut dire qu'on aura de la matière qui sera moins méthanogène, et donc ça veut dire que le dimensionnement de projet sera plus important, enfin je veux dire les cuves seront plus importantes du fait qu'on aura des matières qui seront moins, qui produiront moins d'énergie. Ce qui va donc impliquer un surcoût, ce qui va donc impliquer un changement au niveau du plan financier. La technologie employée sera différente aussi. Si on veut valoriser, par exemple, des effluents d'élevage type fumier, alors il faudra bien considérer un broyage avant l'installation. Et ce n'est pas au moment où on va faire fonctionner l'installation sans avoir considéré qu'on allait avoir besoin d'un broyage qu'on va se dire « Ah ben finalement, on va mettre ces intrants-là » parce qu'au final, potentiellement, l'installation n'aura pas été considérée pour ça. Et ensuite, en fonction du choix du mix d'intrants, en fonction du choix de la puissance installée, on va avoir une valorisation du biogaz qui va varier. Si on est sur un petit projet, on ne pourra pas valoriser le biogaz pour en faire du biométhane, parce qu'on n'aura pas une économie d'échelle suffisante. Et par contre, si on va vers une installation qui est de plus grande envergure, alors là, on aura plus d'opportunités en termes de valorisation du biogaz. Ça va aussi impacter par la suite, donc, comme je le disais, la performance sur le plan financier, donc, sur les performances énergétiques, puisque si on est sur une petite puissance, alors on aura des moins bons rendements sur son moteur, etc. Ça va aussi impliquer des différences au niveau des subsides. Donc si on se place sur une installation qui fait du 600 kW électrique, par exemple, juste en dessous, on obtient un certain montant de subsides, et dès qu'on passe cette zone-là, le subside descend. Donc c'est des choses à prendre en compte, évidemment, dans la création du projet. Et évidemment, la performance environnementale sera aussi impactée par le choix des intrants. Évidemment, entre des effluents d'élevage ou des matières, des cultures dédiées, la performance environnementale de l'installation sera différente. Et enfin, la valorisation du DGSA, évidemment, sera différente si on a de la matière qui sera complètement sèche, pas comme c'est le cas ici, donc on est en voie sèche, donc la matière en sortie sera plus sèche, donc ça implique un plan de valorisation différent, évidemment, que si on est sur un autre procédé qui fonctionne en voie humide, en infiniment mélangé. Un des derniers points que j'aimerais bien aborder ici, c'est le point d'échanger, de discuter lorsqu'on monte un projet de biométhanisation. Il y a trop de porteurs de projets qui ont peur de confronter leur projet à des tiers, alors que c'est une partie qui est assez importante dans le procédé de construction du projet. Si on doit arriver au moment du dépôt de permis en n'ayant discuté à personne,
ben, c'est fort probable que le projet ne passe pas, tout simplement parce que chacun a son opinion vis-à-vis du projet, chacun a ses enjeux, on va dire. Si par exemple un développeur tiers veut développer un projet de méthanisation mais ne consulte pas les engagements de la commune, potentiellement, évidemment, il y aura une levée de bouclier parce qu'il n'aura pas considéré, par exemple, un réseau de chaleur dans son installation ou alors que son occupation des terres sera trop importante par rapport aux intrants qu'il aura choisis. Au-delà de ça, simplement avoir des outils qui permettent de communiquer efficacement face aux différentes personnes qu'on rencontrera, par exemple un plan de masse qui permettra de dire, ben voilà, on a ce terrain-là, on a telle cuve qui va arriver à tel endroit. Par exemple, aller devant les pompiers et leur dire, ben voilà, on a pensé à faire ça avant même d'aller déposer le permis, ça permettra ben, potentiellement de se retrouver au moment du permis et que tout roule sans problème. Alors que dans le cas contraire, si on ne va pas discuter avec les personnes et qu'on, par exemple, on ne demande pas aux pompiers, ben finalement, est-ce que c'est correct de mettre une cuve qui aura donc du gaz à cet endroit-là, donc qui sera en zone à texte, eh ben, peut-être que déjà au début du projet, ils diraient ben non, parce qu'il y a telle ou telle raison qui fait qu'on ne peut pas mettre cette partie de l'installation à cet endroit-là. Donc ça va aussi conditionner l'installation. Ce qui amène au deuxième point qui est assez important, c'est que c'est un procédé itératif. Dans tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, tout est intimement lié. Si vous changez le mix d'intrants, si vous changez le processus qui va être en place, la technologie, évidemment, tout va avoir une implication dans tout le projet. Et donc, c'est important de prendre tous les éléments en compte de manière à pouvoir avancer le plus sereinement possible dans son projet. Il faut donc agir de manière pédagogique, comme je le disais, agir avec des outils, avec un plan de communication. Et enfin, être fiable vis-à-vis des données et des informations qu'on transmet. Si vous, je reviens là-dessus, mais c'est un exemple assez parlant, mais si vous voulez développer un projet avec un réseau de chaleur, si en cours de développement, finalement, vous vous dites, bon, mais on ne va pas faire de réseau de chaleur finalement, eh bien là, les riverains vont se dire, oui, d'accord, mais au départ, on m'avait dit qu'il y aurait un réseau de chaleur, d'un coup, il n'y en a plus. Finalement, est-ce que tout ce qu'on m'a promis depuis le début va vraiment aboutir tel qu'on me l'avait prédit ? Donc, c'est important d'être fiable de manière à pouvoir avoir une communication qui soit bien cadenassée et qui permette à chacun de se retrouver dans le projet sans avoir peur de celui-ci. C'était ma présentation sur les grandes étapes de projet biométhanisation. Si vous voulez avoir quelques petites des informations supplémentaires sur le montage d'un projet de biométhanisation, n'hésitez pas à consulter les différents outils qui sont disponibles sur notre plateforme. Je vais donc laisser maintenant la parole au deuxième orateur, donc Kevin Fontaine. Je vous remercie et je laisse la parole. Bonjour à tous. Il m'a été demandé de vous présenter finalement le processus de l'étude d'incidence dans la grande procédure ou dans les grandes étapes qui viennent de vous être présentées. D'accord. Et donc j'ai fait un focus sur quelques questions. Dans quel cas une étude d'incidence est nécessaire pour monter votre projet et obtenir un permis? Quel est le contenu de cette étude et quelles sont les conséquences de cette étude d'incidence sur votre projet et le déroulé finalement du processus? En petite introduction, donc moi je représente le bureau CSD Ingénieur, je ne serai pas très long, je vais être très vite rapide là-dessus, mais CSD Ingénieur, peut-être vous avez déjà entendu le nom, on est très actif dans le secteur de l'énergie notamment. On est basé en Suisse historiquement, mais on est maintenant un peu plus de 70 collaborateurs en Belgique, avec une trentaine d'années d'expérience dans le secteur de l'évaluation environnementale au sens large, que ce soit en Belgique ou au Luxembourg, en ce qui nous concerne, et donc on a plusieurs sites. À cet égard. Dans nos activités, je ne veux pas toutes vous les présenter, mais celle dont on va parler aujourd'hui, c'est évidemment l'évaluation environnementale appliquée au projet de biométhanisation, qui fait sens aussi chez nous, puisqu'on est très actif, comme je viens de le dire, dans des projets d'énergie au sens large, avec des acteurs comme Elia pour le transport, dans la production d'électricité, sur des centrales turbines gaz-vapeur ou dans l'éolien. Certains nous connaissent sans doute au travers de ces activités-là, mais également dans la biométhanisation, bien entendu. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi une étude d'incidence devrait être réalisée dans le cadre de votre projet?
D'abord, c'est le fait générateur, c'est que votre projet nécessite l'obtention d'un permis et que votre capacité de production est équivalente ou supérieure à 500 tonnes par jour. Et donc, vous l'avez compris, on parle d'unités de production relativement conséquentes. C'est ce qu'on appelle les projets de classe 1, des permis uniques de classe 1 au sens du code. Attention, ça, ce sont les capacités légales, je dirais, mais l'autorité qui va déclarer votre dossier complet a toujours le loisir de vous imposer également cette étude d'incidence. Donc, inutile de se mettre à 499,9 tonnes par jour. Vraisemblablement qu'on va alors, dans ce cas-là, vous imposer une étude d'incidence puisque votre projet est susceptible d'impacter de manière notable l'environnement. Donc, c'est évidemment une procédure qui est régie par de nombreux arrêtés, mais dont les codes fêtiers sont les codes de l'environnement et le code de l'urbanisme, donc le code ET. Et cette étude d'incidence, c'est une annexe qui devrait être jointe à votre demande de permis. Donc, c'est un travail qui est réalisé en amont de la demande de permis et qui est également consultable au moment de l'enquête publique qui sera réalisée lors de l'instruction de votre demande de permis. Donc, c'est un document qui, in fine, est également rendu public. Attention, ce n'est pas parce que votre projet ne rentre pas dans l'obligation de réaliser une étude d'incidence qu'il n'y a pas forcément d'évaluation d'incidence. Chaque projet, chaque demande de permis est soumis donc à une évaluation environnementales qui peuvent prendre différentes formes, notamment la notice. Cette étude d'incidence dans la procédure, comme je le disais, elle s'inscrit en amont de la demande de permis et elle commence souvent par des choses que vous avez peut-être déjà entendues, c'est-à-dire une réunion d'information du public. Quand il y a une étude d'incidence, on s'expose un peu plus publiquement puisqu'on va aller présenter un avant-projet au public, aux autorités, lors d'une soirée généralement organisée dans la commune où tout qui veut participer peut venir prendre des informations et émettre des observations sur votre projet. C'est important puisque ces observations, qu'elles viennent d'un riverain, d'un citoyen, d'une autorité, d'une commune, alimentent le contenu de l'étude d'incidence et on a l'obligation d'en tenir compte dans notre travail d'étude d'incidence. Et donc on vient vraiment compléter le canevas type d'une étude définie par le législateur par des intérêts et des questions précises liées à votre projet dans l'environnement dans lequel il s'insère. Et en fait, in fine, l'étude d'incidence va émettre des recommandations qui vont faire évoluer votre avant-projet vers le projet qui sera réellement déposé auprès des autorités. S'ensuit alors la procédure d'instruction de votre demande de permis. Je laisse la place sur cette partie-là au prochain orateur. Voilà. Alors, cette étude d'incidence, vous l'avez peut-être déjà compris, c'est un outil d'orientation pour vous en tant que porteur de projet. On va venir, en tant que bureau d'ingénieur, challenger votre projet sur un certain nombre de thématiques. C'est un outil d'aide à la décision pour les autorités. On va faire état d'un certain nombre de faits, d'une situation existante et de ce qui est attendu si votre projet se réalise sur l'ensemble des thématiques de l'environnement. Et élément important à considérer, n'oubliez pas que cette étude est rendue publique et donc c'est aussi un outil de communication et d'information du public qu'il ne faut pas négliger dans la procédure. L'auteur d'études d'incidence doit être agréé par la Wallonie. Dans le cas de la biométhanisation, faites attention, il y a différents types de projets, différents types d'agréments. L'agrément qui est concerné, c'est l'agrément relatif au processus industriel et ou aux gestions de déchets si vous envisagez l'utilisation de déchets comme intrants. Alors, le contenu de cette étude d'incidence, il est relativement large et concerne l'ensemble des thématiques de l'environnement. Je reviendrai sur certaines thématiques. Il est spécifique, comme je l'ai dit, en fonction de votre projet. Évidemment, en matière de paysage, d'intégration par rapport à du patrimoine, à du bâti, un projet dans un zoning industriel ou sur la crête d'un village rural n'aura pas les mêmes enjeux. En matière de biodiversité également, si vous êtes proche de sites sensibles, type Natura 2000 par exemple, il y aura des focus spécifiques à mener par rapport à ça. Classiquement, dans une étude, on va faire un état de la situation existante, une photographie, un diagnostic de la situation existante sur l'ensemble des thématiques de l'environnement. Et puis, on va imaginer que votre projet tel qu'il est prévu se mette en œuvre. On regarde les incidences du chantier, les incidences de l'exploitation sur l'ensemble des thématiques de l'environnement. Et la finalité, c'est d'émettre des recommandations qui, comme le code le dit, prévoient d'éviter, réduire ou compenser les incidences négatives qui auraient été identifiées dans les différentes analyses. Ces recommandations, vous, en tant que porteur de projet, vous avez l'obligation d'en tenir compte. Ça ne veut pas dire que vous avez l'obligation de les mettre en œuvre. Vous pourriez très bien dire que CSD, par exemple, est complètement à côté de la plaque en formulant l'une ou l'autre recommandation. Mais en tout cas, vous devez vous en justifier et, in fine, l'autorité qui décidera sur votre demande de permis a l'ensemble des infos en main,
la position de l'auteur d'étude, votre position, et a le loisir d'imposer l'une ou l'autre condition complémentaire. Alors, je n'aurai pas le temps de passer en revue toutes les thématiques. J'en ai sélectionné quelques-unes qui sont relativement récurrentes dans les projets de biométhanisation de grande ampleur. Tout d'abord, la sécurité, bien entendu. Dans l'étude d'incidence, on va challenger les mesures qui sont prévues dans vos projets de biométhanisation, notamment au regard de l'environnement du projet. Effectivement, s'il y a des activités à risque déjà à proximité, s'il y a des logements, par exemple, à proximité, on doit en tenir compte. On va vérifier notamment cela au travers du zonage ATEX au niveau des atmosphères explosibles et simuler différents scénarios d'accident, par exemple la rupture d'un digesteur ou la rupture d'une vanne au niveau d'une conduite de gaz avec des distances d'effet pour vérifier que les activités qui se retrouvaient dans ce rayon ne sont pas sensibles ou en tout cas que le risque est dit acceptable. Une autre thématique récurrente, dans les biométhanisations, vous avez des compresseurs, des pompes, des ventilations, des extracteurs, des mélangeurs, etc. Une série d'installations techniques qui peuvent faire du bruit. Et c'est souvent un enjeu, on a dû intervenir sur d'autres stations de biométhanisation a posteriori, c'est toujours plus compliqué de venir prendre des mesures correctrices. Et donc dans l'étude d'incidence, on invite souvent à réaliser une modélisation prédictive du bruit qui sera généré par l'installation pour pouvoir déjà réfléchir à la conception, notamment au confinement de certaines sources de bruit et parfois même à challenger l'implantation, parfois en mettre un bâtiment, en réorganisant un peu l'infrastructure, on arrive à limiter les incidences sur le voisinage puisque spécifiquement sur la question de l'acoustique, il y a des normes à respecter au niveau du bruit qui est perçu chez les premiers riverains à différentes périodes de la journée et de la nuit. Et donc, dans le dossier, il faut absolument démontrer que votre installation va pouvoir respecter ces normes, auquel cas il faudra prendre des mesures correctrices. En fonction de votre projet, du choix de vos intrants, une thématique qui pourrait survenir également, c'est la question de la mobilité. Effectivement, si vous avez des flux d'intrants qui viennent essentiellement de l'extérieur et en fonction de la manière dont vous allez gérer le digesta, il pourrait également y avoir des flux qui sont plus ou moins importants. Je rappelle qu'on est sur des projets de grande ampleur quand il y a une étude d'incidence. Et donc, il convient de vérifier, effectivement, qu'en matière de mobilité, ça ne pose pas de problème. On parle de mobilité au sens large, c'est la question de la sécurité, la question de l'insertion des flux, mais aussi la question d'une congestion éventuellement qui aurait déjà sur le réseau. Et une thématique qui revient souvent, c'est la question des itinéraires préférentiels. Est-ce que vous avez la maîtrise ou non des flux ? Est-ce que c'est des externes, est-ce que c'est en interne, puisque souvent, on va avoir des traversées de villages, par exemple, qui sont récurrentes, sur lesquelles on va essayer de jouer pour proposer des itinéraires préférentiels qui évitent ces centres résidentiels pour limiter les impacts à nouveau pour les riverains. Donc, ça va au-delà de votre exploitation, le périmètre est plus global. Une thématique à laquelle on pense pas toujours, puisque théoriquement, le processus de biométhanisation ne génère pas d'odeur, ou pas plus d'odeur, puisqu'on peut utiliser, notamment dans des formules agricoles, des intrants qui sont déjà sur site. Mais vous allez voir, si vous exposez un peu dans des discussions avec le public, la question des odeurs revient très vite. Et donc, nous, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Odometric, par exemple. Il y en a d'autres. Où on fait un peu comme dans l'acoustique, des mesures sur des intrants existants et on fait des modélisations prédictives qui permettent de rechercher des solutions pour la gestion des stocks, par exemple, ou le confinement de certaines substances. Je vous prends un exemple, donc c'est tiré d'une étude qu'on a réalisée sur le projet Cibiome à Lezan-Hainaut. On arrive comme ça, à travers la modélisation, à démontrer qu'au-delà du périmètre bleu, on ne percevra une odeur que moins de 2% du temps sur une année et qu'au-delà du périmètre jaune, on ne devrait jamais avoir une odeur qui est liée à l'établissement. Et donc, en termes de communication, vous avez compris que vis-à-vis des riverains, vis-à-vis des autorités, c'est des modélisations qui deviennent très intéressantes. Ça peut mettre en évidence certains problèmes en amont qui permettent de concevoir votre unité de production de la meilleure manière. Évidemment, en tant que bureau d'études, on va challenger le bilan énergétique, le bilan carbone de vos installations.
C'est quelque chose sur lequel je ne m'attarde pas beaucoup, puisque généralement, le bilan énergétique, c'est quelque chose que vous travaillez déjà très fort en amont, puisque c'est un élément déterminant, mais il y a effectivement un regard critique. Comme on est dans une étude d'incidence, qu'on va s'exposer un peu plus à l'avis des riverains, pour faire simple, évidemment, vous allez voir, si vous menez cet exercice, il y a des sujets connexes qui ressurgissent très rapidement. Quand on parle d'intrants qui viennent de l'agriculture, ben voilà, toute la politique agricole va revenir sur la table. Quand on va parler de déchets, la politique des déchets va revenir dans les discussions. C'est des sujets connexes à vos projets, qui ne définissent pas, sur lesquels vous n'avez pas d'emprise, mais sur lesquels il va falloir être bon en matière de communication. Je rejoins effectivement ce qui avait été dit en introduction, puisque c'est des sujets qui reviennent régulièrement dans les discussions. Et finalement, je ne pouvais pas faire une présentation comme ça sans vous parler de la gestion de l'eau, puisque des projets de biométhanisation, au même titre que d'autres projets, vont avoir des impacts sur le sol. Vous allez au minimum imperméabiliser des sols pour vos dalles de circulation avec vos digesteurs. Et que depuis les épisodes d'inondation de 2021, il y a une nouvelle circulaire qui est encore plus contraignante. Et évidemment, les autorités sont encore plus attentives à la gestion des eaux. Et donc, concevez dès le début dans vos projets la manière dont vous allez gérer notamment les eaux pluviales avec une infiltration sur site ou au minimum une temporisation avant rejet. C'est des obligations qui reviennent maintenant très couramment dans les dossiers. Je vous passe la partie risque de pollution puisque ça on rentre plus dans des cas spécifiques. Et donc en conclusion, ces études d'incidence, vous l'avez compris, elles sont plutôt pour des projets de plus grande ampleur avec des capacités de plus de 500 tonnes jour au niveau des digesteurs. Elles ont un contenu qui est défini dans la législation, mais une approche spécifique au regard de votre projet et de l'environnement dans lequel il prend place est nécessaire que pour répondre à des thématiques particulières ou des questions très locales. Et l'intérêt de cette étude pour les autorités, c'est un outil d'aide à la décision qui vient alimenter le dossier. Pour vous, c'est clairement un vecteur de communication qui peut être utile. Généralement, les porteurs de projets proposent un accompagnement également dans les réflexions. Une fois qu'on a identifié un problème, il y a des solutions et donc ça peut vous aider à réfléchir sur des solutions techniques. Et ça permet de trouver des pistes d'amélioration et des réelles plus-values pour éviter, je dirais, des ennuis une fois l'exploitation lancée et des procès ou des procès-verbaux du DPC ou des choses comme ça. Donc ça permet surtout d'anticiper, même si ça prend un peu plus de temps, effectivement, quand on se met à l'étude d'incidence en amont dans la procédure. Merci. Mais bonjour à toutes et à tous. Donc, en tant que représentant du fonctionnaire technique pour les provinces de Namur et de Luxembourg, je suis aujourd'hui chargé de vous entretenir du permis d'environnement et des unités de biométhanisation. Et pour ce faire, ma présentation s'articulera en 5 points. D'abord, je rappellerai le rôle du fonctionnaire technique. Ensuite, je donnerai quelques éléments principaux relatifs à la procédure de permis d'environnement, permis unique. Ensuite, le cœur de mon exposé s'intéressera bien entendu aux unités de biométhanisation. La dernière partie s'intéressera aux formulaires principaux qui sont requis dans le cadre d'une demande de permis d'environnement pour une unité de biométhanisation. Et je terminerai mon exposé par deux brèves conclusions. Donc, le fonctionnaire technique, son rôle s'opère dans le cadre du décret du 11 mars 99 relatif au permis d'environnement. Et cette législation est d'application en Wallonie depuis le 1er octobre 2002. Et donc, son rôle principal est d'instruire des demandes de permis préalables à la mise en exploitation d'établissements susceptibles d'avoir un impact sur l'homme et l'environnement. Et ce, dans un triple but. Premièrement, d'assurer la protection de l'homme et de l'environnement contre les dangers, nuisances et inconvénients qu'un établissement est susceptible de produire, soit directement ou indirectement, pendant ou après son exploitation. Je pense par exemple aux mesures de post-gestion quand un centre d'enfouissement technique a terminé sa durée d'exploitation. Et alors, il doit contribuer à la poursuite des objectifs de préservation, que ce soit des équilibres climatiques, de la qualité de l'air, de l'eau, du sol, du sous-sol, de la biodiversité et de l'environnement sonore.
Et alors, il doit aussi contribuer à la gestion rationnelle des compartiments de l'environnement, tels que l'eau, le sol, le sous-sol, et gérer rationnellement aussi l'énergie et les déchets. Et alors, pour ce faire, il est chargé de présenter des documents finalisés qui comportent à la fois un rapport de synthèse et un projet de décision à l'autorité compétente, qui est dans la plupart des cas le pouvoir de proximité, c'est-à-dire le collège communal. Alors, si la décision de première instance ne convient ni aux riverains ni à l'exploitant, il faut savoir qu'il y a une possibilité de recours au ministre, puis au Conseil d'État. Et alors, le rapport, l'avis qui est remis par le fonctionnaire technique n'est pas un avis conforme, c'est-à-dire que l'autorité communale peut s'en écarter, bien entendu, en motivant sa décision. Alors, concernant quelques éléments relatifs à la procédure permis d'environnement Perm unique, rappelez d'abord que le permis d'environnement regroupe l'ensemble des autorisations environnementales, l'autorisation d'exploiter, l'autorisation de traiter des déchets, de rejeter des eaux, par exemple. Le permis unique, c'est l'ensemble des autorisations environnementales plus un permis d'urbanisme. Et dans ce cadre-là, on a un rapport conjoint qui est réalisé à la fois par le fonctionnaire technique qui s'occupe de la partie environnementale et par le fonctionnaire délégué qui s'occupe de la partie urbanistique. Alors, les établissements, pour rappel, sont rangés en trois classes, une, deux, trois, en fonction de leur impact décroissant sur l'homme et l'environnement. Et alors, je rappelle que seuls les établissements de classe 2 sont concernés par les permis d'environnement, permis unique. Alors, un bref slide sur les délais d'instruction quand le dossier est jugé complet. Comme l'a dit M. Fontaine, en classe 1, il y a une étude d'incidence sur l'environnement qui est requise d'office, et le délai d'instruction en moyenne est de 5 mois. Et alors, pour un dossier de classe 2, ben, retenez que la durée moyenne est de 3 mois et demi, avec un petit bémol qui a déjà été signalé par M. Fontaine. La liste des installations et activités classées est une liste ouverte, c'est-à-dire que soit le fonctionnaire délégué, soit le fonctionnaire technique peut imposer une étude d'incidence en classe 2. Et alors, ben, je dirais à ce moment-là, ce sont les délais de classe 1 qui s'appliquent. Et alors, je rappelle que la durée du permis est maximum 20 ans pour les unités de biométhanisation. Elle est 30 ans pour les éoliennes. Enfin, retenez que c'est surtout 20 ans. Alors, le cœur de l'exposé, les cas des unités de biométhanisation. Donc, pour rappel, les rubriques du permis d'environnement ont été édictées par l'arrêté du gouvernement wallon du 24 avril 2014. Donc, elles sont applicables depuis mi-juin 2014, donc à peu près 9 ans. Et je dirais que ça tient le coup, elles n'ont pas été modifiées. Alors, on a affaire à des rubriques 40-40-10 ou 90-23-15. Et alors, la distinction se fait uniquement en fonction du statut juridique des intrants. Donc, un exemple pratico-pratique. Vous tondez votre pelouse, vous conservez chez vous les tondes de pelouse. Il s'agit d'un non-déchet. Vous les conduisez au reciparc, ou vous les cédez gratuitement à votre voisin, ou vous les lui vendez, ben, il s'agit d'un déchet. Donc ici, c'est, je dirais, la même matière peut soit avoir la qualification de déchet ou de non-déchet dans le cadre des tombes de pelouse, et c'est ce qui s'applique pour les unités de biométhanisation. Et alors, les rubriques biométhanisation, ça considère l'unité de biométhanisation comme un tout, reprenant la liste des installations et des dépôts de l'installation. Donc, on peut schématiser en disant que ça va de l'aire d'attente des biomatières jusqu'à la cogénération et des intrants jusqu'au digestat. Donc, on peut dire dans notre jargon administratif qu'elles sont autosuffisantes. Et bien entendu, il y a des rubriques supplémentaires à ajouter si vous avez par exemple une cabine à haute tension ou un groupe électrogène. Alors, le petit slide ici où j'ai repris seulement les seuils de classe 2, si vous êtes en non-déchets, ben, de plus de 15 à 500 tonnes par jour de capacité de traitement dans le digesteur, vous êtes en classe 2 non-déchets. En déchets, vous y êtes dès que le premier kilo est traité en installation de biométhanisation.
Alors, les avis obligatoires, ben, vous avez la direction de la protection des sols, puis la direction de la politique des déchets, les risques industriels, l'Agence wallonne de l'air et du climat et le DEBD. Et je reviendrai plus tard dans mon exposé sur le rôle de ces différentes instances dans les remises d'avis. Alors, les principaux impacts potentiels sur l'homme et l'environnement des unités de biométhanisation, ben, ça concerne bien entendu tout ce qui est sol, sous-sol, haute surface, eau souterraine, les nuisances olfactives, les risques liés à la présence de gaz présents sur site, donc je rappelle l'inflammabilité du méthane et la toxicité du sulfure d'hydrogène, les émissions atmosphériques, que ce soit poussière, gaz de combustion, ammoniac et gaz à effet de serre, et le charroi in et out, et enfin les nuisances sonores. Donc pour les sols, sous-sols, haute surface et eau souterraine, donc sont à prendre en compte souvent les stockages d'intrants solides, mais dans la majorité des dossiers, tout ce qui est les jus provoqués par ces intrants solides et les eaux de Coursal sont réintégrés dans le processus de biométhanisation, et à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Les cuves de biométhanisation doivent être toutes étanches avec, et équipées d'un système de contrôle de leur étanchéité. Les digestats, ben, il y a tout ce qui est, relatif à leur épandage, le taux de liaison pour les agriculteurs, même si le digestat ne faisait pas partie du plan de gestion durable de l'azote en agriculture 3 et ne fera pas partie du plan de gestion durable de l'azote en agriculture numéro 4 qui vient d'être voté. Un stockage souvent 6 mois sur site, même s'il y a une possibilité de faire des stockages décentralisés. Et alors, pour, je dirais, les unités qui utilisent des déchets, ben, il faut bien entendu des certificats d'utilisation pour ceux qui vont épandre sur leur terre le digestat issu de cette unité de biométhanisation. Il y a des conditions de rejet qui sont prévues dans les conditions sectorielles. Donc, j'avais oublié que les conditions sectorielles sont édictées seulement pour les installations qui traitent des déchets. Et alors, les rejets d'eau usée industrielle sont interdits en eau de surface et il y a des normes en égout ou en eau de surface. En ce qui concerne les nuisances olfactives, ben, on relève que souvent les matières odorantes, soit elles doivent bénéficier d'un stockage ad hoc, ou alors elles sont incorporées immédiatement dans le processus, ce qui limite les risques. Et alors, ce qu'on observe aussi dans la majorité des dossiers, c'est que principalement la majorité des cuves de biométhanisation sont couvertes. Même certaines biomètres couvrent même leur stockage de digestat pour éviter la hauteur de garde de 60 cm pour récolter tout ce qui est eau pluviale sur l'année. Alors, l'Agence wallonne de l'air et du climat, je dirais, impose souvent une sniffing unit au percentile 98. Donc, cela veut dire qu'il n'est pas possible de reconnaître clairement l'odeur provenant de l'unité de biométhanisation plus de 2% du temps d'une année. Et alors, moi, je travaille surtout dans les unités de biométhanisation agricole et les odeurs sont comparables à celles d'une exploitation bovine. Alors, concernant les risques liés au gaz présent, dans les dossiers, ben, on demande souvent l'avis de la zone de secours et de la direction des risques industriels. Et la zone de secours nous remet un avis sur tout ce qui est risque d'explosion, d'incendie et d'effets toxiques. Et la direction des risques industriels, ben, sur les risques industriels liés à l'unité de biométhanisation. Et alors, je rappelle que les conditions sectorielles intègrent ces facteurs, par exemple avec des soupapes de sécurité, des détecteurs d'incendie, des détecteurs de gaz ou une torchère. Alors, concernant les émissions atmosphériques, ben, je signalerai simplement que les poussières, il y a une norme en cas d'évacuation canalisée et sur dépôt au sol. Souvent, les gaz de combustion, je ne vais pas trop insister, ben, c'est souvent l'Agence wallonne de l'air et du climat qui fixe des normes. Il faut savoir qu'il y a une norme en composé organique volatile qui est présente non méthanique dans les conditions sectorielles. L'ammoniac, ben, il est souvent lié en agriculture à tout ce qui est épandage d'engrais minéraux et d'effluents d'élevage, style lisier,
fientes de volaille ou fumier de poulet. Et alors, il faut savoir qu'il y a 92% qui sont liés à l'agriculture, donc il va y avoir des plafonds drastiques à respecter avec des diminutions que je vous ai indiquées entre parenthèses. Alors, concernant les gaz à effet de serre, ben, l'agriculture, il y a 13% qui sont liés à l'agriculture. Et alors, la WAC a une bonne formule où elle dit qu'un établissement de classe 2, les gaz à effet de serre qui sont émis n'ont aucune influence, sont négligeables à l'échelle sectorielle, régionale, nationale et européenne. En ce qui concerne le charroi interne et externe au projet, ben, pour des unités agricoles, il est souvent régulier, puisque avec des pics lors de l'ensilage des biomatières, style maïs ou herbe, et évidemment lors de l'épandage des digestats, par exemple, en période printanière. Alors, les conditions sectorielles, ben, elles imposent une vitesse maximale sur site, que je rappelle, qui est de 20 km/h. Et alors, le fonctionnaire technique, il se préoccupe uniquement du charroi engendré sur le site. Donc, tout ce qui se fait, circulation automobile sur la voie publique, c'est une autre police. Et je dirais, il y a les conditions générales qui comportent un volet bruit et qui sont d'application pour le bruit sur site. Concernant les nuisances sonores, ben, le bruit des cogénérations, mais il est souvent limité puisqu'elles sont intégrées dans un local ou dans des conteneurs insonorisés. Et alors, je rappelle que des limites de bruit à l'émission, donc mesurées chez le récepteur, donc le sonomètre est placé chez le riverain et pas à la source, sont imposées dans les conditions générales. Et alors, comme pour les odeurs, souvent les bruits d'une unité agricole sont comparables aux bruits d'une exploitation bovine. Et alors, en tant que fonctionnaire technique, on tient à insister sur la distance minimale à respecter par rapport à une habitation d'autrui, donc 50 mètres, si je dirais la quantité de biogaz stocké est inférieure à 830 normaux mètres cubes. Et de prendre, je dirais pour ceux qui comptent traiter des déchets, l'éventail le plus large possible des intrants. Parce que je dirais, si vous voulez accepter un nouveau gisement ou une nouvelle famille de déchets et qu'elle n'est pas inscrite dans votre permis, ben vous devrez faire un nouveau permis. Donc je prends l'exemple, si vous n'avez pas le code 20 pour traiter des déchets verts dans votre unité, ben vous serez obligé de refaire un permis d'environnement avec tout ce qui est stockage de ces nouveaux intrants et comment vous les gérez. Donc, je dirais, prenez l'éventail le plus large possible parce que souvent, on a vu des gens qui, 2 ans après, devaient refaire un nouveau permis parce qu'ils avaient des nouveaux intrants qui arrivaient, soit des déchets de champignonnières ou du lait déclassé et qui n'avaient pas du tout prévu et qui avaient dans l'idée originelle en disant ben, « je vais traiter que des matières agricoles et ne pas rentrer dans la filière déchets ». Et alors, je rappelle pour celles qui traite plus de 100 tonnes par jour, qui a la directive sur les émissions industrielles qui peut s'appliquer. Et donc, c'est dans le slide suivant, vous avez, c'est la catégorie 5.3B, donc où on classe la digestion anaérobie de déchets non dangereux. Et je reviendrai plus tard sur les documents qu'il faut pour ce type d'installation en activité IED. Et alors, je rappelle l'arrêté, les conditions sectorielles pour tout ce qui est intrants où il y a pas mal de dispositions à respecter. Alors, les principaux formulaires maintenant du permis d'environnement qui sont requis pour une unité de biométhanisation, ben, retenez qu'il y en a 2 qui sont d'office applicables. C'est le 1, le formulaire général, et celui des installations de combustion. Puis, si vous traitez des déchets, ne pas oublier l'annexe 12, où on insiste surtout sur le zonage à texte, comme M. Fontaine l'avait précisé dans l'exposé précédent. Et alors, ne pas oublier, parce qu'on a souvent dans les dossiers, où on omet une analyse de risque si on a une quantité de biogaz supérieure à 830 normaux mètres cubes. Et alors, si vous êtes en IED, donc que vous traitez plus de 100 tonnes par jour de déchets non dangereux, on insiste qu'il faut un rapport de base et un document technique IED. Et le dernier formulaire, mais qu'on n'a pas encore vu en province de Namur-Luxembourg, c'est si vous atteignez des seuils CVSOBA, donc pour rappel, 10 tonnes en méthane.
ben, il y a une notice d'identification des dangers à présenter. Alors, deux brèves conclusions. Ben, pour rappel, bon, l'autorité communale, elle doit se prononcer simplement dans le cadre d'une réglementation régionale et sur base de critères qui relèvent de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, il n'y a que ça qui peut rentrer normalement dans la décision du collège communal. Et comme l'a dit M. Fontaine aussi, ben, il faut bien réfléchir son projet en amont afin d'éviter des adaptations coûteuses en aval. Parce que je dirais, des fois, il y en a qui ont calculé trop court leur stockage de digesta. Et quand vous devez remettre une cuve de stockage de digesta, que ça n'avait pas été prévu, ben, des fois, c'est très ennuyant. Ben, je vous remercie pour votre attention. Donc, aux deux orateurs pour leur présentation. Je pense qu'on a plus ou moins respecté les délais. Parfait. Donc, il nous reste un quart d'heure pour la séance de questions-réponses. Donc, je vais inviter une personne qui veut se lancer, c'est toujours la première qui est la plus dure, à poser sa question. Les présentations ont été suffisamment claires, apparemment. Ah, une question. Ça marche. Bonjour à tous, Alexandre Ziegler, société Wattels. Ça s'adresse, je ne sais pas, à CSD, peut-être au SPW aussi. Je me demandais si dans le cadre d'un dossier de demande de permis, il fallait justifier du coup de manière précise le gisement qui est envisagé, s'il faut justifier cela à travers des contrats d'approvisionnement ou ce genre de choses. Voilà. En gros, quel est le niveau de précision attendu dans le dossier pour justement envisager la suite s'il doit y avoir des modifications ? Je dirais, si vous traitez des intrants endogènes à ce que vous pensez, ben nous, que ce soit, on demande des préconventions avec des agriculteurs, par exemple, qui vous apportent des biomatières et qui repartent avec du digestat. Tiens. Donc, au moins, je dirais, avoir une idée de quel est le nombre d'intervenants qui interviennent dans la reprise du digestat et dans la fourniture des biomatières. Tiens. Et alors, il est bon aussi, si vous avez décidé de prendre des gisements qui sont limités à un rayon, je ne sais pas moi, 15-20 km de votre unité, ben de le préciser. Tiens. Parce que s'il y a des biomatières qui doivent faire, je ne sais pas moi, Farciane, puisqu'il y a une plateforme qui va faire des mix et que vous devez aller en face de l'hôtel Van der Valk à Arlon, je dirais, voilà, ça, la Belgique est petite, mais ça aussi, voilà. Et alors, plus vous courez dans un rayon long, ben, plus vous entrez en concurrence avec les autres unités de biométhanisation. Donc, le but n'est pas de se saborder. Je pense qu'il y avait une... Est-ce qu'il y a une carte avec les unités de biométhanisation qui existent déjà ? Je pense que Valbiom met à jour sa carte avec les unités de biométhanisation. Tiens. Donc, il y a en effet une carte qui est disponible dans notre document, le panorama de la biométhanisation. Donc, c'est une carte qui n'indique pas les différents noms des installations, mais indique en tout cas le type d'installation. Mais donc, évidemment, pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas nommer les installations sur la carte. Mais c'est en cours aussi de se développer à un autre niveau. Donc potentiellement, ça pourrait arriver comme du côté de la France, où il y a vraiment une répartition, enfin une géolocalisation d'installation très précise. Ça va arriver potentiellement avec une carte interactive en Wallonie d'ici peu. Mais voilà, j'en en dis pas plus pour le moment. Je pense qu'il y avait une question derrière aussi. Bonjour, donc Hélène van der Smissen du CRA. Merci pour vos présentations. J'avais une question concernant le taux de liaison au sol. Je me demande pour quelle raison le digesta n'est pas inclus dans ce taux de liaison au sol. C'est toute la problématique des déchets. Donc, pour rappel, si vous faites un digesta avec 2% de déchets et 98% de matières nobles, ben, l'administration considère le digesta comme un déchet.
Donc voilà, c'est toute la problématique des déchets. Donc c'est tout ce qui est aussi les bouts de stations d'épuration. Et alors vous rentrez dans un certificat d'utilisation et ils sortent du taux de liaison au sol. Donc je dirais, il peut intervenir s'il y a un agriculteur qui traite ses propres intrants qui sont produits par son exploitation. Et je dirais, il épand le digestat. Donc il va compenser, je dirais, ces épandages de lisier par de l'épandage de digestat. Tiens. Mais dès que vous faites toute la problématique du statut juridique déchets, non déchets, et par exemple, si vous fournissez votre digestat que vous produisez à un autre agriculteur, ben, il rentre dans la problématique déchets. Tiens. C'est toujours l'utilisation par un tiers. Tiens. Voilà. Oui, bonjour, Antoine Matelot de Cogen Green. J'avais une question, elle est sur des méthaniseurs qui travaillent avec des intrants de leur exploitation, mais qui dépassent le quota azote pour pouvoir l'épandre seulement sur leur culture, leur prairie, et ils doivent voilà, l'exporter. Mais j'imagine qu'il ne s'agit pas à l'aide d'une exportation comme on le régit pour les centres de déchets, c'est plutôt une déclaration, je crois. Et je voulais savoir, voilà, pour ce genre de personnes qui doivent exporter leur digestat alors que les intrants sont locaux, quel type de démarche administrative et d'analyse il faut faire? Il faudra un certificat d'utilisation pour pouvoir répandre par un tiers sur des parcelles autres que celles de l'exploitation. Et alors, il y aura des conventions en disant qui présenteront pour leur taux de liaison au sol en disant il y a autant de tonnes de digestat qui est fourni à M. X et à M. Y. C'est des analyses à faire sur chaque épandage. Il faut 2 cuves de stockage, du coup Je dirais pas spécialement. Et ils peuvent faire une analyse par lot et la vider. Mais je dirais s'il y a un autre qui vient, c'est toute la problématique déchets qui rentre en ligne de compte. Ou c'est le plus facile, c'est, je dirais, avoir votre propre unité de biométhanisation, traiter votre propre lisier et épandre sur vos parcelles. Là, il ne faut rien, mais dès que vous faites intervenir un tiers dedans, ben, ça se complexifie très fortement. Et on a déjà essayé de sortir de ça et on n'en sort pas. Il y a de grands universitaires qui ont rédigé des doctorats sur qu'est-ce qu'un déchet et tout ça. Et je dirais la Commission européenne évolue, puisque maintenant, il y a possibilité de sous-produits et tout ça, ou de fins de déchets, mais c'est assez compliqué à mettre en route pour le digestat. Et il me semble, des dernières infos que j'avais eues, on parlerait plus de définir le digestat comme un engrais, tiens. Ce qui est aussi compliqué, donc voilà. Oui, bonjour. D'une manière très pragmatique, 500 tonnes par jour, qui est la limite pour passer de classe 2 en classe 1, on multiplie par 365 jours de l'année. Donc on est à plus de 182 000 tonnes par an, qui est la limite. Ou c'est multiplié par des jours ouvrables, des jours... Enfin, non, c'est quoi par jour. Donc, je dirais, si vous introduisez maintenant, par l'absurde, 20 tonnes par jour le lundi et vous ne faites rien le mardi, ben, c'est 20 tonnes par jour votre limite. Tiens. Donc, on ne fait pas une moyenne divisée. Hein. Donc, c'est par jour la capacité maximale que vous pouvez rentrer dedans. Week-end compris. Oui. OK, merci. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous propose d'enchaîner avec une petite présentation. Ah. Oui, bonjour. Moi, je suis Sabine Carbonel de Bruxelles Environnement et j'avais une petite question par rapport aux sous-produits animaux. Donc, ici, vous parliez d'une procédure de permis d'environnement, donc par rapport aux nuisances environnementales du voisinage, mais par rapport au respect des règlements européens. Donc sous-produits animaux, quelle est la procédure? C'est repris dans cette procédure-là ou bien alors il y a un agrément qui est délivré à un autre moment? En 90-23-15, et alors vous aurez des contraintes supplémentaires si vous utilisez des déchets animaux, comme une hygiénisation et tout ça. Donc il y a des contraintes supplémentaires pour respecter la réglementation européenne qui seront fixées. Mais au niveau rubrique et demande, ben, c'est la même. Il y a des contraintes supplémentaires en fonction des intrants que vous voulez traiter, tiens. Donc je vais vous proposer donc de faire une présentation donc maintenant sur l'installation qu'on va avoir le plaisir de visiter d'ici quelques temps. Voilà, bonjour tout le monde.
Christophe Arnoul d'IDELUX Environnement. Donc, je ne vais pas faire une présentation, c'est juste un mot d'introduction à la visite que vous allez pouvoir faire sur le site. Voilà, je veux simplement vous dire qu'IDELUX Environnement, depuis sa création, donc dans sa stratégie, a misé fortement sur l'axe de la valorisation du carbone organique. Donc, dans les premières années, en allant rechercher le déchet organique contenu dans les ordures ménagères brutes et en faisant du compost, hein, qui valait ce qui valait à l'époque. Hein, on parlait ici du début des années 80, il n'y a pas de législation environnementale. Avec le temps, cette législation est apparue, donc on a dû s'améliorer. On a mis en place la collecte sélective des déchets organiques. Donc aujourd'hui, vous le savez, et ça a tendance à généraliser, le déchet organique est collecté séparément porte à porte, donc doit être trié à la base par le citoyen. Ça nous a permis de bien améliorer la qualité des composts, et ça nous a permis d'avoir une matière première plus intéressante pour pouvoir développer le projet de biométhanisation qu'on a construit et qu'on exploite depuis 2009. Donc ça a été une grande étape qu'IDELUX Environnement a passé fin des années 2000. Donc ça n'a pas été simple, hein, et c'est encore un énorme challenge tous les jours, vous allez pouvoir l'observer sur le terrain. Donc le gros souci qu'on rencontre à l'heure actuelle, c'est que le déchet à la base est mal trié par le citoyen. Donc les consignes restent quand même assez simples. Je pense que personne d'entre vous n'a envie de déposer du plastique dans son jardin. Mais malheureusement, vous allez le constater, c'est pas ce qu'on observe à l'entrée des installations. Et donc notre gros challenge aujourd'hui, c'est d'aller retirer ces erreurs de tri pour, in fine, en sortie des installations, produire un compost de qualité. La biométhanisation, donc, c'est un outil de digestion qui produit le biogaz, le digesta, et des refus de pré-traitement. Vous verrez, le digesta, donc on parle d'une voie sèche, c'est pas sec du tout, c'est quelque chose de très humide, ça a à peu près la consistance d'une bouse de vache, donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas épandre comme ça, parce qu'en plus il y a toujours un peu de contaminant dedans. Donc qu'est-ce qu'on va en faire? On va le mélanger avec du déchet vert pour le composter. Et donc le produit final qui sort de chez nous aujourd'hui, c'est toujours un compost valorisé en agriculture. Alors donc ça, c'est notre procédé de traitement actuel, et depuis quelques années maintenant, donc on reste toujours concentré sur cette volonté de donner de plus en plus de valeur au carbone organique contenu dans les déchets ménagers. Et donc pour continuer dans ce sens-là, on participe à des projets R&D, donc là vous n'aurez pas l'occasion de voir ce qu'on fait exactement sur le terrain durant la visite d'aujourd'hui, mais des projets R&D, projets européens, donc financés, on va dire à 80% au moins par l'Europe, qui permettent d'analyser le potentiel de molécules d'intérêt qu'on peut aller rechercher dans le déchet de cuisine. On se limite à ce flux-là essentiellement. Donc on en est déjà au troisième projet. On exploite pour l'instant un pilote sur le site de Tenneville qui vise à produire des acides carboxyliques. Donc c'est vraiment la molécule qu'on va chercher dans le processus de méthanisation. Donc à un moment donné, On modifie les paramètres de fonctionnement du processus pour arrêter l'action des micro-organismes, aller chercher ces molécules-là, qui derrière sont purifiées et peuvent être utilisées pour produire des produits biosourcés, donc ça devient un substitut au pétrole, quoi. Donc voilà, c'est les projets auxquels on participe aujourd'hui, on n'en est vraiment qu'au tout début, on le fait... parce que ça reste, ça fait partie de notre stratégie, mais on le fait aussi parce que c'est financé par l'Europe. On ne pourrait pas utiliser l'argent des communes pour pouvoir développer ça. Maintenant, on estime que ça fait partie des solutions de l'avenir, donc raison pour laquelle on s'engage là-dedans. Donc voilà pour la visite. Vous serez scindés en deux groupes pour des raisons de sécurité. Donc il y a deux personnes qui vont vous guider durant la visite, le responsable du site normalement et un chef de projet. Donc voilà, ce que je vais vous demander, on va vous distribuer des vareuses, c'est de rester bien groupés autour du guide durant la visite, parce que vous allez voir, surtout dans les installations de compostage, qu'il y a beaucoup de chargeurs qui transitent dans tous les sens, donc les risques sont quand même assez élevés. Voilà, je vous souhaite une bonne visite. C'est mieux. Merci.
Ici, donc, on se situe sur le site de Tenneville, sur lequel on traite essentiellement les déchets organiques. Donc, quand je parle de déchets organiques, il y a d'une part les déchets de cuisine et d'autre part les déchets verts. Alors, l'outil principal du site, c'est l'unité de biométhanisation. Donc, c'est une installation qui a été construite en partenariat avec les intercommunales du BEP pour la province de Namur et Intradel à Liège. Donc, elle permet de traiter 35 000 tonnes de déchets de cuisine chaque année. La première étape qu'on va faire, c'est enlever ces erreurs de tri, en tout cas un maximum. Donc on va faire ça via une opération de broyage. Donc on va ouvrir, déchirer les sacs, découper le déchet en petits morceaux, et on va les tamiser derrière pour récupérer la fraction qui est principalement composée de plastique, qu'on va ressortir du flux pour les envoyer en incinération et limiter la contamination du compost en aval. Une fois que le déchet a été nettoyé, on va le rentrer dans une étape de digestion, donc on appelle ça un digesteur, c'est une espèce de grand estomac qui va digérer la matière. Donc tout ça se fait par l'action de micro-organismes qui, pendant le processus de digestion, vont produire ce qu'on appelle du biogaz, donc c'est un gaz qui contient beaucoup de méthane, qu'on va récupérer et valoriser dans une centrale de cogénération. Donc ce sont deux moteurs qui tournent au biogaz, comme ils pouvaient. Ils savent tourner à l'essence. Et on va, grâce à ça, produire de l'électricité, d'une part, qu'on consomme sur site et l'excédent est vendu sur le réseau, et de la chaleur, d'autre part, qui est valorisée sur différents outils sur le site. Donc ça, c'est pour la valorisation du biogaz. Ce qu'on sort de la digestion, c'est également le digesta. Donc c'est la matière qui a été digérée, qui est dégradée. Cette matière-là, on va la mélanger avec du déchet vert et la composter. Ce compostage-là, ça va nous permettre d'augmenter la température et par cet effet-là, de tuer tout ce qui est germe pathogène qu'on pourrait retrouver dans le déchet de cuisine. Et ça va aussi nous permettre de sécher le digesta et de pouvoir, en fin de compostage, le tamiser, en sortir un produit fin et propre qui deviendra un compost qui, lui, pourra être valorisé en agriculture.